Perek Yudalev, Tfila, Tfila, Chag. Donc maintenant, Baruch HaShem, on a avancé. La Tfila, la veille de la fête. Arba'a Shemot, Yeshlo, Lechag, Agadosh, Hazé. La fête de Pessah, elle a quatre noms. Quatre noms à la fête de Pessah. Chag, Aviv. Chag, Aviv, j'entends. Chag, Acherut. J'entends. Chag, Amatzot, j'entends. Chag, Apessah. Premier Chag Amatzot. Premier Keneged Chag Amatzot. Keneged Avraham Avinu. Pourquoi est-ce qu'on appelle la fête de Pessah Chag Amatzot? C'est en rapport avec Avraham Avinu. Shaya Nizar la route c'est Kol Davar Mitzvah Veratzon Hashem Eloach Mitzam. Pessah, Pessah. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit lorsqu'il est parti le matin faire Kedat Yitzrak? Vayashkem Avraham Baboker. Il était Zariz ba Mitzvot. Et c'est toute la, c'est toute la, amen. C'est toute la, c'est toute la, l'apprentissage qu'on a à faire à Pessah. Une des notions, une des leçons de Pessah, c'est quoi? Mitzvah Abba Leatra al Tachmitzena. Une mitzvah qui te vient, qui vient à toi, ne la laisse pas fuir. Là, Tachmitzena, mais je ne chametz. Là, c'est pas gonflé, c'est pas qu'on dit Matzah chametz. Matzah chametz. Une mitzvah qui vient à toi, al Tachmitzena. Ne laisse pas passer. On apprend ça de la fiata matzah. Puisque la matzah, ce n'est pas comme le pain. Où le pain il gonfle, on a le temps de le laisser dans le four. La matzah, elle a un temps précis, 18, pas plus de 18 minutes. Et si jamais on dépasse ce temps d'une seconde, d'une fraction de seconde, c'est plus de la matzah, c'est chametz. C'est du chametz. C'est pareil pour la commission des mitzvot. Avant le temps, c'est pas le temps. Après le temps, c'est plus le temps. Mais c'est plus le temps. Al tach mitzena, il y a des mitzvot que tu dois. Et il y a des gens comme ça. Moi, j'en ai connu, j'en connais même déjà. Il y a des gens, behemet. Dès qu'il y a une mitzvah qui se présente, il réfléchit pas deux secondes. Hop, c'est pour eux. Et t'as l'autre qui est en train de faire les calculs. Il prend la calculatrice, il fait les calculs, il fait les comptes. Et il voit le calendrier. Je sais pas, le 3, je sais pas si je serai là. Et la vie, elle est passée comme ça. Et il y en a un, il est avant, il te demande. Avant, il demande la truc. Avant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Où il y a des idées? Comment je peux faire? Comment étudier? Comment ma... T'as compris la différence? Ça, c'est Chag HaMatzot. Donc, Chag HaMatzot, les amis. Ça, par exemple, ce qu'on vient de dire maintenant, ce qu'on dit maintenant du Rabbi de Safi, ça, Mérila, ben c'est super sympathique de le dire le soir du Seder. Tu poses des questions à tout le monde qui est là. Donnez-moi les noms de Chag HaPessah, c'est des devinettes. T'as des petits bonbons, tu donnes aux enfants ce qui arrive. Allez, toi un bonbon, toi un bonbon, toi un bonbon, toi une claque. Si tu... Non, je rigole. D'accord? Après, amen. Et tu dis Chag HaMatzot, pourquoi Chag HaMatzot? Pose la question, pourquoi Chag HaMatzot? Il va te dire, chacun il va essayer de trouver, pourquoi Matzot? Alors tu dis qu'il y a d'Abraham à Minou. Dans l'esprit de l'explication logique, c'est parce qu'on est parti bêtement. Tripazor. On n'a pas eu le temps de faire le lever le peur, on est parti. Alors, la fête. Ben, Matza. Alors, la fête. Matza. La fête de la Rasra. La fête du Ripazon. La fête du Rilazon. C'est ça que tu es soi-disant. On n'aime pas. Alors. Et là, ma mère, tu comprends. Ne me mettez pas en colère. J'ai pas eu mon millefeuille en plus. J'ai pas eu mon millefeuille en plus. Pas de millefeuille. Et donc, c'est quoi? Keneged Avraham Avinu. La matzah, c'est Keneged Avraham Avinu qui a été Zariz ba Mitzvot. Et c'est ça qu'on doit. Et tu dis à tes enfants, tu dis dans la table de Pessah. C'est donc, ça qu'on doit apprendre. Après, c'est matzah, c'est. Parce que Avraham Avinu, là, qui a écrit quoi, matzah? On dit que mitzvah baleatra al tachmitzena. Une mitzvah qui vient à toi, al tachmitzena ne la rend pas chametz. Chametz, c'est quoi? C'est pas gonflé, c'est pas partir. D'accord. Et de qui on apprend ça? Avraham Avinu. Ça, c'est premièrement. Ça ne rend pas de l'herbe à les quatre piliers célestes? Pour l'instant, non. Et Abraham? Ah, tu vois, les quatre raisons, les quatre raisons. Alors, on va. Chag HaPessah. Chag HaPessah. C'est le deuxième nom. Keneged mi? Chag Avinu. Il te raconte nous pourquoi? Vas-y. Non, c'est pas déjà. Oh là là. Stéphanie de Monaco. Corban, je suis à part du Corban. Donc on appelle aussi la fête de Pessah, Chag HaPessah. Voilà. Qui a avec Pessah? Et quand il te raconte? Ah oui. Voilà, il vient tout près de France. C'est ça dit vous dire, mais. Les Lou Nishmat. Attends, j'ai raté. Vas-y, Rabbi. Hein? Nelly bat Masouda. Nelly, d'accord? Nelly bat Masouda. Ça, c'est dans la tête, Pessah Tachem.
Une basse place, c'était une chemin de Eden. Donc la deuxième, c'est Chagabesa. Pourquoi il a dit Rabbi Michel, il revient de France, il est tout tari, il est tout frais, on le voit le petit français. Il est tout frais. Un mot de Sadiq. Qu'est-ce que c'est le Pessah? C'est le corban de Pessah. Et c'est quoi le corban? C'est un sacrifice. Le premier qui a été capable de sacrifier pour Akadosh Borou, donner sa vie pour Akadosh Borou, c'est qui? Il y a Yitzhak. Tu joues avec Ménère, toi. C'est qui? C'est Yitzhak. C'est Yitzhak Avinu. Donc c'est pour ça que Pessah, qu'on appelle Pessah, c'est Keneged Yitzhak. Ensuite, troisième nom à la fête de Pessah, c'est quoi? Il l'a dit. Aviv. Chagaviv. Ça, c'est qui ça, Chagaviv? Parce que la sortie de la, parce que la fête de Pessah ne peut être que pour. Elle peut tomber que pour le début du pas. C'est très vrai ce que tu dis, mais il y a une logique. On a dit Abraham, on a dit Yitzhak. Tu vas comprendre maintenant qu'il y a un rapport avec qui? Aviv. Avec Yaakov. Pourquoi on l'appelle Aviv? Aviv bête. T'as compris? Mais il est. Aviv, mais, ah, Aviv, mais, je t'aime, serais-je bâtir? Il a fait, mais il est bon ce petit Dan. Hein, tu vois, quand il mange pas, ici il mange des noisettes. Mange plus de noisettes, de pécans. Regarde-moi ça. Pourquoi il a pourquoi il appelait Aviv, Keneged Yaakov Avinu? Comment t'écris Aviv? Aleph. Bet. Bet, Yud, Bet. Et donc Av, Yud, Bet. Parce que c'est le père des 12 tribus d'Israël. Il a dit Francis, je crois. T'as compris? C'est ce qu'il a voulu penser. Au deuxième degré, mais voilà, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a voulu penser. C'est pas ce qu'il a pensé. T'as compris? Elle est pas belle, celle-là? Ça, tu le dis pas ce soir du CEDER? Tu dis pas ça au soir du CEDER? Alors, tu passes à côté? Tu vas me faire quoi ton truc là avec le rap de Brice qu'il a dit dans la camarade dans là-bas? Non, ça encore c'est bien, mais quand tu fais tes trucs là, machin là, trop compliqué, pile poulim, trop compliqué, tout le monde s'endort. Non, je parle pas à toi, je parle pas à toi. Je parle pas à toi, Khazeshop, t'as compris ce que je veux dire? Quand les gars il est là, il te fait des trucs, il y a que lui qui sait, il sait, en fait. Moi, j'ai atteint mon stade, dès que je vois que ça commence à dormir, tout de suite j'arrête. On a dit faut avoir l'équilibre, exactement. Oui, t'as même pas besoin de commencer. Ah oui, c'est la personne à table. Donc, Chag Aviv, Papa Yaakov Avinu. Et la dernière, tu l'as dit, Chag Acherut. C'est la fête? C'est la fête? La liberté. La liberté. C'est quel égal qui? David Améler. Oh, pourquoi David Améler? Ah, c'est quoi ce geste? C'est pas tout de dire des choses, mais tu es pas. Pourquoi? Pourquoi David Améler? Tagacherout? Machiar Tzidkenu? On sera en liberté entière et complète. On attend Machiar, on n'est pas encore en liberté entière. Machiar viendra, on sera entièrement libre. C'est pour ça que c'est Keneged David Améler. Tu l'as retenu tout ce qu'on vient de dire? Tu pourras répéter le son du CDR? Eh ben c'est un problème si tu ne peux pas le faire. Tagamatsot, Avram Avinu. Voilà. 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 Il a fait. Hier, il y avait la scar de ma grand-mère hier soir. Et j'ai vu des cousins de ça que j'ai pas eu depuis très longtemps avec le confinement, les machins, les bidules, je sais pas de machin. Et donc chacun il dit comment ça va ta vie, comment ça machin tout ça. Et donc il m'a dit comment c'est à Ranana. En tant que moi j'étais à Jérusalem, moi j'étais pas ici, donc ça fait un an. Vous l'avez dit qu'à Eden? Comment c'est à Ranana? Hein? Tu vas très loin, là, tu vas très loin. Tu vois, le problème, c'est ça, il se passe doser. Tu as dit, il faut doser. D'accord? J'ai dit, vérité, franchement, honnêtement, une chose. C'est cool. Comment? C'est cool. Non, rentre pas dans des trucs comme ça. Ça fâche. Ça peut fâcher, c'est bon. C'est gentil. J'ai dit une chose. J'ai dit que quand j'étais à Beit Vegan, quand j'étais là-bas, j'avais l'impression d'être un moulin avant. Parce que le moulin avant, il fait du vent. Et Blarinara, il a de la force, vivant. Mais il est toujours. Oh, c'est pas possible. Mais il est toujours. Vide. À la même place, il bouge pas. Si tu prenais le nombre de tours qu'il fait par seconde et par minute, oui, tu crois qu'il a fait le tour du monde déjà. Mais le pauvre, il est où? Rien. Voilà. Je dis, mais non, je suis plus un moulin avant. Bon, prochain. Bon entendeur. Il y a que Rabbi Delel qui est fin dans l'âme qui peut comprendre ça. Explique-leur, fais la traduction, décodeur. C'est qu'il voit qu'il y a des choses qui avancent, il n'est pas parce que pour rien qu'il a. Aïe. T'as compris le problème. Donc si on avance, il faut qu'on se rappelle de ce qu'on fait. Donc pourquoi je dis ça maintenant? On dit des choses, faut se rappeler de ça. Faut les vivre, faut les répéter, faut les écrire, faut les noter. Ah ben ouais, tu vas te rappeler de ça. Ça c'est sympathique à dire. Oh, pas dans les trucs, Marin, il a dit, machin. Ouais, c'est trop compliqué, t'en fous. Non, c'est un tamitracha. C'est très dur pour tamitracha de se mettre au niveau de. C'est très dur. Tu comprends, toi? Ben moi, à chaque fois, la table de Shabbat. Y'a fait.
D'accord, donc ça c'est les quatre noms. Écoutez bien ce qui est écrit dans le shoot. Alors shoot, c'est pas shooter, d'accord. Shoot, c'est Sheila. Je sais pas quand je te vois, je sais pas. Je sais pas. Bon, prochain. Mais toi peut-être du, tu vois. Non, je rigole. Shoot, c'est quoi shoot? Sheila de Tchouvot. Sheila de Tchouvot, c'est question-réponse, d'accord? Du Tzitz Eliezer. Il dit comme ça. Bechag Pesach, Chag Cherutenu, Shebon Nigalnu, Mechalat, Tumat Mitzrayim, Nifchanu Liot, Lam Sigula. Le fête de Pesach, c'est la fête de la liberté. Pourquoi on est libre? Parce que Dieu nous a délivrés de toute l'impureté d'Égypte. Et il nous a choisis pour être son peuple. Am Segula, pour être son peuple. Pas le, c'est pas le peuple élu. Am Segula, comment on dit Am Segula? C'est une Segula, si. Segula, c'est une tendance pour... Non. Non, mais non. Ça vient du mot. Comment, quoi? Ça vient du mot Messougal de capable. Ça capable, exactement. C'est ce qu'il dit Julien. Messougal. Ah, t'as dit quoi? Tu n'as pas entendu ça? C'est une tendance de. Non, il y a tendance. Non, c'est une capacité. Voilà, Messougal. C'est une capacité. C'est une capacité. Am Segula, c'est qu'on est le seul peuple qui peut. C'est-à-dire que si Dieu il demande, personne ne peut. Il n'y a que nous qui pouvons. Ça, Am Segula. Ça veut dire que Segula maintenant. Il a fait mais chercher le terme. Tu comprends? Mais Segula, c'est de Messougal. C'est quoi Messougal? Capacité. Ça, Messougal, capacité. Capable de faire. Voilà, exactement. Et c'est ce que je t'avais dit, je crois que c'est à toi que je t'avais dit ça, ou je ne sais plus avec Elisa. Vous savez que. Je ne vais pas dire que tu es capable. Comment? Non, c'est pas la même chose. C'est moi. Non. Hein? Ah, ça va avec Elisa. Avec le Benishraï. Le Benishraï et le Rambam. Il y a une grosse marque entre le Benishraï et le Rambam. Je vais déjà dire ça, mais c'est pas. Entre le Benishraï et le Rambam. De savoir est-ce que l'âme Israël est devenu âme Israël parce qu'on a eu la Torah? Est-ce qu'il nous différencie de tous les peuples et qu'on est différent et qu'on est devenu ces goûts-là qu'on est capable de connaître? C'est parce qu'on a la Torah. Et la Torah nous a fait différents. Et maintenant, on est mamash, un peuple différent des autres, parce qu'on a la Torah. Ou bien non, on était avant Matan Torah, Am Segula, et il n'y avait que nous qui pouvions recevoir la Torah. Et le Rambam lui dit non. Le Rambam, il dit que Béhémet, l'homme Israël était comme tous les peuples de la terre, on n'avait rien de différent, on était comme les autres. Qu'est-ce qui va nous changer, nous transformer, Béhémet, faire de nous un peuple différent, un peuple mamash, avec des mœurs différentes, des valeurs différentes, une pensée différente, des actions différentes? C'est la Torah Kdosha. C'est la Torah qui nous a transformés. Ça, c'est le Rambam. Ba Ben Ishraï, il dit non. Voda Rambam, il dit non. Il dit, j'ai une preuve de ce que je vais te dire. L'âme Israël, depuis le départ, avant Matan Torah, on était déjà un peuple miyuchad. Pourquoi? Il dit d'où? Gemara dans Masechet Shabbat. Daf Pechet Amud Alef. Qu'est-ce qu'il dit à Gemara là-bas? Que lorsque Akadosh Bourou l'a donné à la Torah en Israël, il écrit Kafar Alehem Ahar Kegit. Hachem, il a pris l'Har Sinai, il l'a retourné, il leur a dit: soit vous prenez maintenant la Torah, soit Hachem qui est avec vous à Trem, soit je vous enterre vivant ici. Il pose la question, le Ben Ishraï, même Tosfot pose la question là-bas. Pourquoi Hachem il a dû prendre l'Har Sinai et nous obliger à prendre la Torah? On a déjà dit Nasa Ben Ishma, on a déjà accepté la Torah. Il y a un rapport avec alors, la promesse peut-être. Alors il y a cette Inyana, il y a Tosfot qui dit que tout ce qu'on a pris. Quand Dieu nous a posé la Torah, c'est la Torah Shebirtav, et pas la Torah Shebealpé. La Torah écrite, pas la Torah orale. Parce que toutes les lois qu'on a aujourd'hui, c'est pas la Torah écrite. Dans la Torah écrite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu n'as pas le droit d'allumer un feu dans ta maison. Donc qu'est-ce qu'ils font les Samaritains, les Caraïbes, les réformistes? Dans la maison, je ne peux pas, mais dehors, je peux. Qu'est-ce qui vient nous apprendre? Ben, mec, que même, on n'a pas le droit d'allumer même à l'extérieur. C'est la Torah orale. Donc toutes les mitzvot que l'on a, c'est pas la Torah écrite. C'est l'explication de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Et donc, ça, c'est Tosfot. Il dit, quand on a vu que c'était trop important, la Torah, trop de mitzvot, ils ont dit, non, on ne veut plus. Là, quand il y a pas, quand je voulais les obliger. Mais il dit, le Ben Ishraï, non, ce n'est pas du tout ça. Pourquoi, quand je bohou, il a mis, Ark et Gigit, nous a obligés à prendre la Torah? D'accord? On a dit, na sevenishma. Il répond, le Ben Ishraï. Il dit, pour montrer à toutes les Oumot, à toutes les nations du monde. Pourquoi, lorsqu'il a demandé au Ishma Elim, d'accord, aux Arabes, pourquoi quand il a demandé aux Arabes à Kadosh Baruch Hu, vous voulez la Torah? Ils ont dit, attends, qu'est-ce qu'il y a écrit l'onigno? On peut pas aller noir bas en mode blié tchétchédaïm, c'est pas possible. D'accord? Ils ont dit, on peut pas aller nous. On peut pas, c'est, le vol c'est notre. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'archéguide, il a dit, attention, maintenant vous êtes obligé de prendre? Non! Lorsqu'il a dit à Esav, à l'Occident, d'accord, prenez la Torah, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Ils ont dit, ne tue pas. Il dit, mais nous on peut pas, c'est le. Aux États-Unis, tous les 30 secondes, il y a un meurtre. En Amérique du Sud, tous les 3 secondes, il y a un meurtre aussi. On peut pas, c'est notre. Après, il est parti voir moi vite. Les peuples, d'autres peuples. Il a dit, tu pourras pas, Ham. D'accord, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Tu peux pas aller faire la fête tous les soirs avec Suzanne. On n'est pas en Martinique ici.
D'accord. Pas Martinique ici. Alors, ils ont dit, mais on peut pas, nous, c'est la Zumba tous les soirs, c'est notre gagne-pain, on dit comme ça, c'est la vie. Pas tous les soirs. Non, c'est les jours pairs, les jours pairs. Les jours pairs, pas les jours impairs. Bon, d'accord. D'accord, t'as compris. Si on peut pas. Hachem, il a pris l'arc et Gigit, il a retourné la Torah sur eux. Dieu, il a retourné la Torah sur eux. Non. Il dit le Ben Israël, lorsqu'Akadosh Brou est venu sur Israël, les seuls, qu'on a dit là, c'est Benishma. Les seuls qui l'ont pris le Har Sinaï, il les a obligés à prendre, c'est qui? On a dit là, c'est Benishma, c'est Am Israël. Pour montrer au moins, toi là, qu'en vérité, il n'y avait que le peuple juif qui était Mesougal. T'as compris? De recevoir la Torah. Et il dit le Ben Israël, pourquoi? Parce que le Am Israël, déjà dans son essence, on a reçu d'Abraham, Israël et Yaakov, on a reçu de nos patriarches toute cette ADN de Chesed, de Gvoura, de Tiferet, de Torah, de Kolé, de Kolé. Qui a la tendance de recevoir, qui a les capacités. Mais Sougal, c'est capacité. Mais c'est des aptitudes. Aptitudes, capacité. Quand on dit en hébreu, attends, mais Sougal, c'est ce que tu es capable de le faire. D'accord, c'est ça, d'accord. T'as compris? Oui, mon sadique. Parce qu'en fait, dans le moussaf, dans les culottes, dans les fêtes, on dit Atta, Bechartom, Nikola, Amim. Ce qu'il nous a choisi parmi les peuples. C'est pas qu'il nous a choisi comme peuple capable de réaliser. C'est qu'il a choisi un peuple tout particulièrement. Si on comprend ce qu'il a marqué, qu'il a choisi un peuple particulier et qu'il lui a donné la capacité d'être un peuple Segula, Am Segula. Il l'était déjà, c'est ça que j'ai dit, Benishraï. Oui, on était Am Segula. On n'est pas devenu par la Torah Am Segula. On était Am Segula. Parce que là, en fait, là, j'essaie de d'appuyer ce que dit le Ramban. Parce que si on dit que Atta Bechartom Mekola Amim, c'est que Hachem nous a pris des autres peuples pour être un peuple différent des autres. Non. Non. Je te dis, au contraire, Atta Bechartanu, parce qu'il n'y avait que nous que tu peux choisir. Tu peux voir dans les deux sens. T'as compris? On continue ce qu'il dit, le Tzitz Eliezer, regarde comme c'est beau. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la liberté pour être son âme Segula. Ou Mamlechet Kohanim Egol Kadosh, on l'oublie trop longtemps. On est tous appelés Kohanim pour être un peuple de Kohanim, Vegol Kadosh, un peuple saint. A Torah Kaet Achagazé Beshem Chagamatzot. La Torah, elle a appelé elle-même la fête de Pessah Chagamatzot. Pourquoi? Pour montrer notre amour à Hachem. Combien on chérit Hachem. Combien nous on est chéri par Hachem. Pardon. C'est vrai nous, les fanab. Combien nous on est chéri par Hachem. Combien Bémet, malgré l'esclavage d'Égypte, malgré la difficulté de l'esclavage, on a gardé la Emouna Hachem. On a gardé la foi en Kadosh Baruch Hu et en Moshe son serviteur. Parce que ça va de pair. Ou Miyad. Et lorsque Moshe est venu, il nous a annoncé la délivrance. Alors on est parti derrière Moshe. On a cru en Akadosh Baruch Hu. Et on est parti dans le désert. Le désert, c'est quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a rien à manger. Et on a eu Mouda Bachem. On a suivi Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on dit dans le Moussaf de Shabbat? Qu'est-ce qu'on dit dans le Moussaf de Shabbat, mon tzadik? Hengal qui est rem, acharit, kereshit, d'accord? Hengal qui est rem. Et Akadosh Baruch Hu dit attention. La même manière que je vous ai délivré au début, au départ, c'était quand le départ? En Égypte, acharit, kereshit. À la fin, natil lavo, là, bezrat Hashem, ce sera tout d'avant. C'est-à-dire qu'on connaîtra Gilgal, la même sipour, ce sera la même. Alors, ben, les acteurs seront différents, mais ce sera la même histoire. Gilgal de Bina, à la fin des temps qu'on est en train de vivre maintenant. Le Nisayon, ça sera le Nisayon de l'Aïmouna. Ça sera le Nisayon de l'Aïmouna. Et je l'ai répété mille fois. Rappelez-vous qui est sorti d'Égypte. Un cinquième. Et de ces un cinquième, qui y avait? Qui y avait dans ces un cinquième? Deux. Deux Maboul. C'était Beth Petzal Terensil. Ouais. Tu te connais? Non, je ne connais pas. Datan Baviram. Datan Baviram. C'était pas des rigolos. Ils s'occupaient de frapper l'homme Israël, Bémitzraïm. C'était proche de Pharaon. Réchaïm. Ils sont sortis d'Égypte. On les voit dans le désert. Tu dis, mais comment? On te dit qu'il n'y a que Mehmet, un cinquième qui est sorti. Et eux, ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'on avait dit, Rabbi Julien? Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Par quel mérite ils sont sortis d'Égypte? Une seule chose fallait. Quoi? Les Amin. Fallait juste croire leur sortie d'Égypte. Peut-être qu'en Égypte, c'est resté des types avec des grosses barbes, des péotes, mais ils disent, non, c'est pas le moment, c'est pas maintenant, peut-être pas. Ils ne croyaient pas. Loémin Bémoshé. Il avait tout le look. Mais il est resté en Égypte. Tu comprends ce que ça veut dire? À la fin des temps, ça sera pareil. On sera étonné. On peut dire pareil pour tous les rabbins qui sont à l'étranger?
C'est-à-dire. Pardon, là, je pose une question. Non. Non. Je pose une question. Non. Tu rentres. Tu rentres dans une. Tu rentres dans une polémique. Tu rentres dans une polémique. Mais exprès, je le fais pour réveiller. Mais j'ai bien sûr, je comprends. Mais tu rentres dans une polémique qui n'a pas lieu d'être. Pour la simple et bonne raison que. Et quelqu'un qui peut se permettre de juger l'autre. Alors, je ne vais même pas parler de ceux qui sont virulents et qui les traitent de tout ce que tu veux pour l'argent, ils restent là-bas, et pour ceux que tu veux que je parle même pas, ça c'est la Shonara, c'est Motsi Shemra. Ouais. Je ne vais pas imaginer qu'est-ce qu'il va avoir ce type-là qui parle comme ça. Mais Bichla, nous aussi on était en France pendant des années, après on a mis du temps à venir. Quand les Khad, chacun Bismano, ça se prépare, ça se réfléchit. Si tu me dis de manière générale, mon tzadik, manière générale, Vadaï, on le prie tout le temps, que tout l'âme Israël vienne d'Eretz HaKodesh, qu'on vienne tous en Eretz Israël, ça c'est Vadaï. Après, c'est des cas individuels. Je rappelle le Rav Israël de Sarcelles, d'accord, le Rav Israël de Sarcelles. Pardon, moi, je donne l'exemple de mes parents. 3 ans d'affilée, ils sont partis lui demander, on peut faire l'Aliya? Non, on peut faire l'Aliya? Non, on peut faire l'Aliya? Non. 4e année, oui. Pourquoi? Il sait, il voit, il connaît, tu comprends ce que ça veut dire? T'as un Rav, t'as ton Rav, t'es Tzadik, on est Tzadik, tu pourrais poser la question? Et peut-être elle prend par rapport aux enfants, et après par rapport à plein de choses, tu comprends ce que ça veut dire? Mais non, Vadaï! Vadaï, le but c'est de venir en Eretz Israël. Ah. Rien, ça fait que sur ça. Il y a pas de ça fait que sur ça. Tu comprends? Mais allez juger, allez juger telle personne. Rambam me dit que c'est pas pour moi d'ailleurs. C'est un commandement. Ouais. Non, c'est Shuvah. Rambam. Mais bon, c'est pas tu comprends? De Rambam. Tu comprends ou pas? Tu comprends, Abi Daniel, ce que je veux te dire? Faut pas rentrer dans ces polémiques qui sont vaines, qui sont la chonara. Non, mais le but, non, mais d'accord, mais le but c'est quand même de venir. Tout le monde est d'accord, il y a pas de. Ça, mais ça change rien, ne pas être virulent, ne pas être méchant, et ne pas non, juger les autres. Bevadaï. Ouais, mais non, c'est pas bevadaï parce que j'en ai entendu des vers des dépamions moi sur ces choses. Faut pas juger, faut juger personne. D'accord. Et il y a même, je vais te dire, moi je connais personnellement, d'accord, des rabbins qui sont en France, ok, ils pleurent pour venir ici, ils pleuraient, mais ils veulent passer leur keila. Tu comprends ce que je veux te dire? Ils sont chlichout. Oui, ils sont chlichout. Alors, ben ça c'est mais bon. Ok. Ou que dato anemana shel nevié nu agadol yirmiya betzav anevoa. Quoi amar Hashem? Regardez, on termine avec ça. Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient, il s'exprime. Le prophète Jérémie, Yirmiyahu. Il parle au nom de Dieu. Quoi amar Hashem? Comme ça il a dit Akadosh Baruch Hu. Zacharti la chesed neuraich. Dieu il dit lui-même, je me souviens la bonté que tu as fait lorsque tu étais jeune. Il parle de qui? Du Ham? Israël. Parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est comme un bébé qui sort du ventre de sa maman. Ahavat ilotaïch. Ton amour de Kala, comme une Kala d'une mariée, d'une jeune mariée. L'erter acharei bamidbar be'eretz lo zaroua. Que tu m'as suivi dans le désert qui était aride et qui n'était pas semé. Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient et il témoigne de cette témouna que l'âme Israël de cette époque qui est au-delà de la normale, au-delà de la logique. Comment tu, mes bien-aimés, mon peuple bien-aimé, tu as eu confiance en moi, tu m'as suivi dans le désert, alors que c'est pas logique. C'est pas logique de suivre dans le désert. Il n'y a pas à manger, des femmes, les enfants, les vieillards, les machins, sans rien. Tu m'as suivi dans le désert, Be'emouna. Et c'est ce message-là surtout aussi qu'il faut repasser le soir de Pessah. Dans la vie, on connaît tous des moments sombres, on connaît tous des moments difficiles, on connaît tous des moments de désert. On a l'impression que tout ce qu'on a construit avant, tout ce qu'on a construit auparavant, s'effondre et s'est effondré. On perd un proche. Quand on perd une maman c'est la muraille. La maman c'est la boussole. La maman c'est... Tout, c'est déjà pas assez pour dire sur une maman. Et on a l'impression que notre monde, il s'écroule. On n'a plus de boussole, on n'a plus ce phare. Ça, c'est le phare. Même si tu es loin, elle n'est pas là, on n'est pas loin, mais c'est le phare. Avant, c'est le phare. Elle est là, elle te guide. Sans parler, sans te dire, sans rien, elle te guide, elle te met la lumière où il faut que tu ailles. C'est ton repère. Et des fois, on se. C'est difficile, ben, c'est compliqué, c'est difficile. Aval Am Israël, il a la Emouna. Am Israël, la Emouna. Et même dans ce désert ponctuel, parce qu'on sait très bien que c'est ponctuel, et que la finalité, elle est triatamitim, et de se réjouir avec tous ces gens qui nous ont quittés, avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais que dans ce désert-là qu'on est en train de traverser, on a toujours la Emouna. Kadosh Baruch Hu, c'est toi le maître du monde. C'est toi qui as décidé pourquoi, quand, comment, avec qui. Je suis avec toi, Kadosh Baruch Hu. Je peux juste ajouter quelque chose. Mais c'est pour ça que. Je ne sais pas mon papa. Non. Parce que je raconte au rap. Je connais.